Et bon, bonjour mes petites triples croches, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on a décidé de la tourner de manière un peu impromptue parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillé. Vous savez, il y avait un petit compte à rebours ces derniers jours sur l'Instagram d'ACDC, en tout cas au moment où je vous parle, au moment où on tourne cette vidéo. Et ce matin, lundi 12 février, me semble-t-il, ACDC vient d'annoncer sa tournée Power Up Tour. Donc je vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard, hein, parce que l'album Power Up, de mémoire, c'est un album qui est sorti en novembre 2020. Je voulais vous en parler à jour parce que si vous me suivez sur les réseaux, sur l'Instagram de Matt Lucaman ou Matt's Guitar Shop, vous pouvez voir que je suis un énorme fan d'ACDC. J'ai commencé à jouer de la guitare grâce à Angus Young ou à cause, ça c'est à vous de voir. J'ai commencé cette passion pour la guitare avec ACDC vraiment en les écoutant quotidiennement pendant quasiment plus d'un an et quasiment surtout en exclusivité. Voilà, donc c'est un groupe que j'ai pas mal suivi, que je connais bien. L'annonce de ce matin, comme vous pouvez voir, elle ne me rend pas euphorique. Ah ! Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'un côté, bah, y a toujours des bons points à réagir au retour d'un monstre sacré comme ça du hard rock qui, je pense, dans l'histoire du hard rock, à mon humble avis, peut-être ce qui a été de plus populaire et à la fois monstrueusement sacré. Pour moi, ACDC en hard rock, on n'a pas fait mieux. C'est vraiment la simplicité et à la fois si dur à jouer ensemble. Je pense que si vous le jouez en groupe, vous savez à quel point ACDC, c'est dur à reprendre. Vraiment comme l'original. Voilà. L'annonce du Power Up Tour, ça me fait chaud au cœur parce qu'on le rappelle, c'est le 13 août à l'Hippodrome de Longchamp. Alors l'Hippodrome de Longchamp, je suis très content d'y retourner. Néanmoins, pour les Rolling Stones, c'était une organisation qui était quand même un peu compliqué, donc on va voir comment ça va se passer. On va surtout voir, je vais me lancer une mission, est-ce que je vais rencontrer Angus Young ou pas. Il y a quelques pistes, ça sera un petit peu le fil rouge du concert, puisque c'est absolument mon rêve. D'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et me permet de rencontrer Angus Young, c'est un respect éternel que je peux lui donner, parce que c'est vraiment un des seuls guitar héros que je n'ai jamais rencontré. Je trouve que le Power Up Tour 2024, autant un Power Trip, ça me gênait moins, que Phil Rudd, le batteur légendaire d'ACDC, soit absent. Vous savez, Phil Rudd, c'est quand même le métronome. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent bien ACDC, ACDC sans Phil Rudd, c'est pas pareil. Alors, ACDC sans Phil Rudd et ce matin, j'apprends sans Cliff Williams, dont la chair basse est ici. Ça me fait quelque chose, ça me laisse sur un goût. Déjà que sans Malcolm, moi je pense que c'était ACDC, c'était le groupe de Malcolm Young avant tout. J'ai l'impression qu'Angus est un petit peu tout seul aux commandes et que Brian Johnson, déjà je me demande comment Brian Johnson va tenir une tournée entière, même si vous regardez l'agenda, c'est 21 concerts, étalés au mois de mai, juin, juillet et août. Donc c'est quand même un agenda qui n'est pas aussi serré que les tournées précédentes d'ACDC où ça jouait quasiment tous les 3-4 jours. Mais néanmoins, ça va faire quand même 9 ans qu'ACDC n'a pas joué en live en tournée. On les a vus à Power Trips. Alors ce qui était incroyable, c'est qu'Angus Young avait une patate incroyable. Je crois que ça, il la perdra jamais, on dirait. Il est toujours chargé à 100 000 volts, celui-là. Brian Johnson, on a vu que la voix, c'était pour un show, c'était compliqué. Alors est-ce que c'est parce qu'il doit reprendre le rythme un petit peu des tournées ou est-ce que c'est tout simplement l'âge? Parce que je crois que Brian Johnson, c'est 75 ou 76 ans à l'heure où je vous parle. Chanter du ACDC, c'est quand même très physique. Moi, j'attends un petit peu vos avis dans les commentaires parce que d'un côté, je suis super ravi de revoir Angus Young et je pense que ce serait trop dommage avec ce qu'il a encore à donner que le monde loupe des live shows d'ACDC parce que personnellement, je les ai vus 7 ou 8 fois et à chaque fois, c'était génialissime. Néanmoins, je trouve que bah, déjà, les full puristes vont se dire bah, en fait, il n'y a plus que Angus dans ce groupe. Sur le line-up original d'ACDC de 1974, il n'y a plus que Angus. Voilà. Voilà, moi j'ai connu ACDC avec Brian Johnson, donc j'ai ce rapport un petit peu différent avec Bon Scott, mais aujourd'hui on n'a plus Malcolm, on n'a plus Phil Rudd, on n'a plus Cliff Williams. Alors je veux pas faire ma fine bouche parce qu'encore une fois je serais très content de revoir Angus, mais j'ai hâte de voir vos avis en commentaire parce que c'est la première fois qu'ACDC annonce quelque chose et c'est la première fois où je me dis bon, je serais content de voir Angus, mais c'est pas pour moi c'est pas ACDC en fait. Voilà, c'est Angus et Brian qui se joignent à des musiciens qui sont géniaux. Hein. Stevie Young fait très bien le job à la guitare et Dieu sait si jouer Malcolm Young, c'est très compliqué. La section rythmique dans ACDC, elle est quand même essentielle. Cliff Williams et Phil Rudd, même si je ne connais pas le nom total du remplaçant de Phil Rudd, mais Matt, le batteur qui a remplacé Phil Rudd à Power Trip, je crois que c'est la première fois, j'étais pas supra fan de Chris Slade. Je trouve que Chris Slade est trop métronome pour ACDC alors que justement Phil Rudd, il est un tout
tout petit peu en retard dans la chanson. Il donne ce côté un petit peu heavy, un petit peu, et ce côté groove surtout. La main droite de Phil Roth sur le Charleston, c'est quand même un truc qui est unique dans AC/DC. Et je trouve qu'avec avec Cliff Williams, Phil Roth et Cliff Williams faisaient vraiment ce qu'était AC/DC, c'est-à-dire ce qui permettait à Angus et Brian d'être devant la scène et faire un petit peu l'animation, même si encore une fois les deux ont un niveau extraordinaire, mais la section rythmique d'AC/DC fait ce qui est AC/DC, c'est-à-dire la perfection du rock and roll. C'est un rock qui groove, c'est un rock qui nous incite à taper du pied quand on entend de loin ou de près la chanson. Je crois que le nom du remplaçant c'est Chris Chaney. Alors Chris Chaney, il a un CV qui est impressionnant, hein. Je suis sûr qu'il va faire un super job. Je trouve ça dommage que AC/DC aujourd'hui ne compte plus que Angus et Brian dans les membres légitimement et historiquement validés par les fans. Voilà. J'ai hâte de voir ce que va donner la setlist aussi du Power Up Tour. Quelle chanson de l'album le groupe va jouer sur scène, quel classique il va jouer sur scène, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adaptations à la voix de Brian Johnson. En tout cas, la tournée d'AC/DC, c'est génial, mais que d'interrogations sur ce que ça va donner. À mon avis, il y a quand même beaucoup de déçus, il y a quand même beaucoup de gens euphoriques qui les ont peut-être jamais vus. Est-ce vraiment AC/DC? Je pense que ça va être le titre de la vidéo, c'est est-ce vraiment AC/DC? Est-ce vraiment le AC/DC que j'ai vu la première fois pour ma part de 12 juin 2009 au Stade de France pour le Black Eyed Tour, où j'ai eu la chance de voir Malcolm, Cliff, Phil, Angus et Brian, avec un niveau de voix encore très très bon sur le Black Eyed Tour. Je ne sais pas, je voulais juste votre réaction en commentaire. Moi, je suis un peu nostalgique ce matin en voyant la basse de Cliff Williams, parce que ce qui me rend nostalgique, c'est qu'on le verra probablement plus sur scène. Quid de Phil Roth? Est-ce qu'on reverra Phil Roth aussi un jour avec AC/DC? Que d'interrogations, voilà. Donc c'était une vidéo pas pour présenter les guitares, un petit peu réaction à chaud, réaction mitigée. Néanmoins, on va tout faire pour rencontrer Angus Young, qui est mon rêve ultime, qui est mon guitar hero ultime, avec Keith Richards, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai hâte de voir vos réactions, les triple croches. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo, et on se verra sûrement à l'Hippodrome de Longchamp le 13 août 2024. Salut à tous.